Bonjour les amis, voilà, vous deviez vous demander ce que j'étais en train de faire. Eh bien, je voulais vous présenter un compagnon, c'est mon compagnon d'hiver, il est beau. Eh bien, c'est un, un morceau de bois, voilà, vous le voyez là. Eh bien, je ne sais pas s'il existait avant le soufflet, ou est-ce qu'il est venu après le soufflet, vous savez, le soufflet, c'est cet ustensile qui sert à, comment dire, à, à, à raviver le feu quand il commence à faiblir, comme c'était le cas, là. Donc, on, avec le soufflet, ben, on soufflait, d'où le mot soufflet, on soufflait sur le feu. Et cet ustensile, bien, m'a été offert il y a 10-12 ans par un ami. Et c'est une branche de bois avec, vous voyez, là, on a, on a une, un bout de branche naissante qui a été gardé volontairement, qui, qui a office de, de poignet, en fait, après. Euh, il est transpercé de l'intérieur d'ici jusqu'au. D'ailleurs, si je ne sais pas si on met le, le truc devant le feu là, si on va voir le feu à travers. Pas forcément. Non, on ne voit pas. Bon, bref. En attendant, eh bien, il est transpercé d'un bout à l'autre. Ça fait un peu, un peu comme une trompette. On pose les lèvres dessus, voilà, comme ça, et on souffle. Et comme vous pouvez le voir, c'est efficace, c'est génial, quoi. Il y a pas besoin d'électricité, pas besoin de, de fuel, pas besoin de gaz, rien que du souffle. Bon ben bah, écoutez, c'est pas grand-chose dans hein, cette petite vidéo, mais je voulais vous présenter mon copain d'hiver. Alors je sais pas on pourrait, comment on pourrait l'appeler. Alors je serais curieux de savoir, je sais même pas le nom que ça a. Vous voyez, je suis pas très curieux parce que à l'époque j'aurais pu demander quand on me l'a offert, euh, mais ça doit bien avoir un nom. Bah écoutez, si parmi vous, parmi les salles et ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous, vous connaissez le nom, après je pourrais être curieux un peu plus, allez sur euh, Google et, et, et Google c'est tout, hein. donc euh, je pourrais peut-être savoir sur Google, mais, mais bon, voilà. Bon bah écoutez, on va pas s'éterniser 36 heures sur, euh, sur mon petit copain d'hiver, donc je vous l'ai présenté, il sert à souffler le feu et c'est bien sympa c'est aussi bien sympa d'avoir un feu, là, parce que les températures ce matin, ici, en Bretagne, il faisait 6 degrés chez moi dehors. Je dis bien dehors, hein, pas dans la maison. Hein. Dans la maison, grâce à la cheminée, j'ai 22 degrés. Ah, j'ai dépassé, je crois que c'est 19, normalement. Non, bah, ben, il y a 22, ben, ah, j'y peux rien, moi, la cheminée est chauffe, il y a un bout de bois dedans. Euh, je vais pas mettre de l'eau sur le bois pour euh, empêcher la température de monter. Allez, bisous les petits loups, bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous voulez, comme ça je sais que vous êtes passé. Un petit commentaire et puis ben pour celles et ceux qui connaîtraient le nom de cet ustensile en bois qui sert à, à raviver le feu, et bien, ben allez-y au niveau des commentaires. Hein. Puis ça peut être un échange aussi les commentaires. Euh... Alors. J'attends pas, je, je le dis parce que bon, euh, ça arrive des fois, j'attends pas forcément des commentaires pour euh, être félicité ou pour entendre dire « Ah, c'est génial ton truc, là, c'est super beau, et tout, tralala là, là. ». Non, non, euh, bien sûr, ça fait plaisir, je vais pas dire que ça fait pas plaisir, mais les commentaires aussi, c'est pour échanger, pour euh, bah, donner un avis, échanger des idées, enfin, partager. Donc, euh, donc voilà, quand je vous dis pour les commentaires, c'est pas uniquement pour que vous me passiez de la pommade dans le dos. Non, non, ça, ça sert à rien. Donc euh, c'est un partage, et puis on sait aussi que ben, vous êtes passé, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, bonne journée, bye bye.